notre réalisateur, pas seulement pour commenter ces images d'exception, celui qui a l'habitude de les voir d'en haut, de parcourir les plus belles montagnes de France, le spécialiste Laurent Guillaume est avec nous. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Laurent. Eh ben oui, on va encore se balader en montagne dans cette bonne ville de Riac. On commence par des images parce qu'on est là pour toujours. Ça. Toujours, images aériennes uniques. Alors vous allez voir la beauté, la quiétude de cette ville de Riac. Ici, c'est le square Arsène Vernemouze, qui est un Vernemouze, poète, un éditorialiste, ouais. Écrivain qui a entre autres beaucoup écrit sur ces montagnes. Et puis qui montre ces images, montre la tranquillité de cette ville de Riac qui a échappé à un développement industriel trop important parce qu'elle ne se situe pas sur les grands axes européens, ouais. Aujourd'hui en tout cas, parce qu'à l'époque évidemment on traversait Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, mais enfin à l'époque, aujourd'hui maintenant c'est plutôt par les TGV, par les autoroutes. Et comme ici on est un petit peu en retrait, mais Dieu merci, qu'est-ce que c'est bon, ça préserve. C'est agréable, et ben ça préserve, et c'est pour ça qu'on est bien à Riac et dans le Cantal en général. Merci Laurent. Moyenne montagne, il en parle. Il la connaît, il l'aime.